Chaque année, à la même période, l'histoire se répète. Ils sont toujours plus nombreux à s'inscrire au Resto du Cœur. Les années passent, mais l'embarras de témoigner à visage découvert, lui, reste. Allez, tout va bien. Je suis venue plusieurs années. C'est vrai que les restos, ça aide. Il y a effectivement de l'aide alimentaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a une écoute et tout, un soutien. Cette femme faisait déjà partie des 3800 bénéficiaires vivant en Corse. En 2017, ce sont plus de 415 000 repas qui ont été distribués. Ce matin, 8 bénévoles s'occupent des inscriptions. Déjà 39 personnes ont franchi les portes de ce local. La Corse fait partie des régions les plus touchées par la pauvreté. 19% de la population vit avec moins de 970 euros par mois, contre 14% au niveau national. Avant, on avait des gens qui n'avaient pas de boulot, qui étaient au chômage. Aujourd'hui, on a des jeunes. On a des familles monoparentales, alors surtout avec une femme, avec des femmes. Des femmes un petit peu isolées aussi. Et puis tout, je dirais, ce qui correspond aux personnes âgées, qui sont elles aussi des personnes isolées. Et à Ajaccio, on a ce phénomène qui est croissant. Le 27 novembre prochain, les Restos du Cœur débuteront leur campagne hivernale pour la 34e année consécutive.